Je suis né à Montréal, dans la paroisse de Bordeaux, pas très loin de la prison, en 1939, qui était à une époque assez noire, qui était l'emprise de l'Église, du catholicisme surtout. Et c'était terrible parce que c'était presque pas vivable. On nous demandait d'être quelque chose qui n'est pas très humain. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de cinéma à Bordeaux. Donc, c'est ma sœur André qui m'amenait dans le sous-bassement de l'Église. Il y avait, le samedi matin, deux films que tu pouvais voir, un sac de chips pour 25 sous. J'ai trois sœurs. Donc, j'étais entouré de femmes tout le temps avec ma mère. J'avais quatre femmes. C'était le bonheur total. Oui, lève-toi! Lève-toi, mon Jean! Pense à tout ce que t'as fait pour arriver là. Ah ouais, Jean! Jean! Quand j'ai commencé à travailler vraiment avec des acteurs, des actrices, j'ai compris que c'était là ma place et que c'est ça que je voulais faire. C'est qu'on a vécu des affaires ensemble, hein? Jean-Martin, photographe, refusé par tout le monde. Tu dis, nous, t'as enfoncé une corse qui impacte. On a travaillé comme des fous, Marcel, Sabourin et moi. La critique ici, il y avait cinq colonnes, toute une page complète. Du premier mot au dernier mot, il a descendu le film. Il a tout détesté, tout. C'est juste une petite coupure, ça c'est rien, ça c'est rien. On est sélectionné pour Cannes. On ouvre le Festival de Cannes, et là, le monde est tombé en amour avec ça. Là. Monique Mercure qui gagne la Palme d'Or. Des gens ici qui trouvaient qu'elle courait trop vite, puis qu'elle jouait trop moderne, et puis là-bas, ils donnent la Palme d'Or, meilleure actrice au monde. Chris, c'est pas n'importe quoi. C'est ça qu'il faut que tu retrouves. C'est cette espèce d'enthousiasme-là. Presque tous les films que j'ai faits, le centre d'intérêt du film est autour de la femme. Je me sentais moralement que je devrais faire des films avec des femmes qui sont fortes et non pas qui sont là pour venir donner deux répliques ou faire un clin d'œil ou la petite souffrante. Mais c'est dur dans une société de changer ça. Faut être subversif. Ça, c'est là que tu dois prendre ça. T'es un des pionniers du cinéma québécois. Tu nous as ouvert les portes, Johnny. La littérature québécoise, t'es le roi des adaptations. Y a personne qui a fait autant de romans en cinéma que toi. Les filles de Caleb, ça a été un knock-out, ça, pour les codes d'écoute. Hein? Tu te souviens, Jean? Bien, à ton mot Claude aussi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, ça, c'est vrai qui peut faire ça. Puis quand je suis arrivé avec lui, j'ai tombé en amour avec. Reprends-toi, Jean. Il faut pas lâcher. Quand tu travailles avec un acteur ou une actrice, il y a une grande échange. Les échanges les plus profonds que tu peux avoir dans ta vie, c'est presque là. Plus je suis exigeant, plus je pense que les comédiens, ça les rassure. C'est une façon de dire « je vous aime, vous m'aimez, puis aimons-nous ». Bon, faut que tu reviennes à l'essentiel, à la base. C'est ça qui est la beauté, c'est la simplicité que t'as toujours eue. J'ai arrêté là, parce que j'avais 70 ans. Moi, j'ai travaillé énormément, j'ai fait énormément d'affaires. J'ai pas eu une demi-heure à moi pendant 45 ans. J'arrivais plus à me reconnaître moi-même. Et là, j'aurais envie de reprendre, je pense. À chaque fois que tu manges un coup, tu t'es toujours relevé. Tu t'es relevé comment? En pensant à l'amour, en pensant à ta muse. Tout le changement, l'évolution que j'ai pu avoir sur 45 ans vient du cinéma. Si tu acceptes, non. Le cinéma sera pas fort, fort. Ah ouais, pour l'amour! Vas-y, Jean! Vas-y! Ah ouais! Ne prends jamais non comme étant une réponse. Fonce, jusqu'à temps qu'ils disent oui. Et ils vont finir par le dire.